Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. L'époux tardait, elles s'endormirent. On va commencer par s'endormir. J'avais pas prévu de parler de ça, mais un des enfants qui était là et quelques-uns parmi vous m'ont inspiré quand ils ont fait comme ça. Ça m'a pas endormi, mais ça m'a inspiré. Et je me suis dit, c'est vrai ce qu'on raconte aux infos. On manque de plus en plus de sommeil. On dort beaucoup moins ces temps-ci. Ce qui n'est pas bien pour notre santé physique et morale. Ce serait bien d'y penser, même si ce n'est pas le message de l'Évangile. Car à la fin de l'Évangile, il nous invite au contraire à veiller. Alors est-ce qu'il nous invite à ne pas dormir? Je ne pense pas. Nous ne sommes pas sur le même registre. Oui, chers frères et sœurs, veillons à ce que nos enfants dorment bien. Commençons par ceci, pour que leur journée soit agréable pour vous et pour eux, pour qu'ils puissent être à 100% dans leurs études et dans toutes leurs activités. Veillez à ce que le téléphone soit bien éteint avant d'aller se coucher et ne pas rester devant l'écran des heures et des heures en s'oubliant, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, surtout les étudiants qui manquent de sommeil eux aussi, parce qu'en plus de leurs études, doivent des fois travailler. Jésus ne nous demande pas de veiller dans le sens oublier de dormir. D'ailleurs, c'est très astucieux dans cette parabole, il nous dit « l'époux tardait et tout le monde s'est endormi ». Alors pourquoi ce détail ? Dans une parabole où il va y avoir du tri, certains vont pouvoir entrer, mais pas tout le monde. J'aimerais bien penser que ce passage « l'époux tardait », ce n'est pas à cause d'un bouchon, ce n'est pas à cause de trucs imprévus, mais plutôt c'est parce que Dieu est plein de miséricorde. On a vu dans d'autres passages de l'Évangile dimanche dernier que Dieu est lent à la colère, il est miséricordieux, il est patient. Je pense qu'on peut mettre ce passage dans ce registre-là, surtout cette phrase-là. Le Seigneur est plein de miséricorde. Il nous donne le temps de nous rattraper, de remplir notre vie de bonnes actions, de nous pardonner les uns aux autres, d'aimer et de bien dormir. Le temps de la miséricorde, hélas, ne peut pas être illimité. Il y a un moment où Dieu aussi est juste. Oui, si la miséricorde de Dieu est très grande, le jour de sa justice va arriver. Et nous ne savons pas quand est-ce que ça va arriver. C'est pour ça que nous sommes appelés à être prêts. Nous sommes appelés à être là pour accueillir l'époux qui vient nous chercher. Oui, frères et sœurs, continuons à nous préparer simplement comme on fait d'habitude, en allant à la messe, en travaillant avec justice et amour, et en aimant notre prochain. Aujourd'hui, c'est une fête à la paroisse, parce que ça fait 20 ans que nous nous réunissons ici pour célébrer notre foi, pour adorer le Seigneur, pour partager, pour aimer. Cette Église nous réunit depuis 20 ans déjà. Et cela n'aurait pas été possible sans le travail de tous ceux qui nous ont précédés et de beaucoup parmi vous qui étaient là à cette époque-là aussi. Pour ne pas citer tout le monde, je citerai plutôt seulement le curé à la période de qui tout ça était devenu possible, c'est-à-dire
Abuna Brahim Bourajil. Père Brahim Bourajil, avec l'aide de son conseil paroissial, avec le soutien de toutes les personnes qui étaient de bonne volonté, ont fait qu'aujourd'hui même, nous fêtons 20 ans de notre présence ici. Alors nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet de continuer à profiter de cette Église, essayer de l'améliorer petit à petit. Avec le temps, on se rend compte de tout le travail qui est fait et qui reste à faire aussi. Alors nous rendons grâce au Seigneur pour toutes les personnes de bonne volonté, mais aussi pour le diocèse de Lyon qui nous soutient financièrement, mais aussi fraternellement, pour que nos rencontres, nos messes continuent à être possibles dans cette belle ville de Lyon. Ô Seigneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. أخوتي الأحبة، يسوع لما يقلنا سهروا ما بيقلنا سهروا على التيك توك ولا على الفيسبوك، عبالنا سهروا حتى لتتحضروا، لأنه ما حدا منا بيعرف ساعة الصفر اللي فيها مدعوين أنه نترك هالعالم لنلتحق بملكوت الرب. وبنفس الوقت فينا نستفيد من هالنص ونذكر بعضنا بأهمية النوم. جسمنا بحاجة للنوم مثل ما بحاجة لكتير إشياء، كمان بحاجة تحت نقدر نعمل كل هالإشياء اللي منحبها نام كفاية. وعم نذكر بعضنا كمان نهتم بصحتنا، وربنا يلي تأخر تيوصل بقلنا الإنجيل ما تأخر لأنه كان مشغول أو صار شيء على الطريق، تأخر لأنه عطى مجال زيادة لأنه ملان رحمة. ولكن قد ما يعطي مجال، الوقت والساعة رح يجوا، وكلنا بنعرف هالشي. بقى خلينا جاهزين ونستفيد من هالوقت المعطى لنا حتى نزيد بحياتنا عامل الرحمة للرب المجد للأبد. آمين.